Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Agrarian Skies. Alors, cet épisode est un peu spécifique parce que j'avais déjà commencé, je l'avais déjà fait une première fois et malheureusement, vers le milieu d'épisode, mon ordinateur a planté. Tout ce que j'avais déjà fait a été enlevé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux abeilles. J'avais pas fait grand chose en fait. J'avais pas vraiment fait un épisode là-dessus. Je voulais vous expliquer un peu ce que j'avais fait un peu hors caméra. En gros, j'ai fait un petit truc, voilà, un peu comme ça, où j'ai fait des races, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des races pures, parce que, en fait, c'est vraiment que de la même. Donc, j'en ai fait deux pour les cultivate, deux pour les common, deux pour les forest, et deux pour les, comment ça s'appelle, les meadows, voilà. Donc, j'en ai fait deux de chaque. Ensuite, niveau 4, j'en avais fait deux petites, que j'en avais vu la fois dernière. C'était pas ici. Ce sera pour cet épisode, ça, ici. Celles sont ici. Alors, voilà, j'avais fait ces quêtes-là, ici. Assez simple, hein. Les aviaries, ici, j'avais à peu près tout, sauf ici, mais... C'était assez simple à créer, hein. On va le voir ici. Voilà, donc on avait créé ça et ça ici. Rien de plus simple, surtout pour la recette. Ça ici, vous mettez un peu de l'aviary. Ça, on en avait déjà en fait. On a vu dans un. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Dans une espèce de récompense. Ici, on avait les. Donc, ça, c'est les Golden Electro Tubes. Ça se crée assez facilement. Le Thermic Fabricator. Vous mettez ça, vous mettez un de sable. Ça vous en crée 4. Donc, il en fallait pour les deux recettes. Je l'ai mis ici. Ça se passait nickel, le reste il n'y a pas besoin, je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'autres quêtes validées, s'il y avait eu celle-ci aussi. Non, celle-ci je l'avais commencé, voilà, j'avais commencé celle-ci ici. Il nous fallait ces éléments-là que j'ai fabriqués aussi. Ça je l'ai fait aussi hors caméra. Par contre il reste plus que celui-là, mais pour celui-là il nous faudra des. Si je me trompe pas, c'est. Attendez, je vais regarder la recette. C'est des. Ah là, sérum, ok. Alors, pour le sérum. Hop, ok, ouais, on va falloir chercher un petit peu. Un petit sérum, c'est ça, voilà. Donc il nous faudra ici du Royal Jelly, et du Royal Jelly s'obtient avec la Imperial Queen, qui s'obtient avec ici une Noble et une Majeste. Ok, alors par contre la Majeste, elle s'obtient avec. Ok, une Cultivate plus une Drone, ok. Ça marche jusque-là, ça ira, on va s'en sortir. Sachant que niveau abeilles, voilà, j'ai eu quand même pas mal de choses, surtout des meadows ici, j'en ai... et des forêts, on a eu pas mal de rennes. Ici aussi, hein, j'ai eu d'ailleurs une Noble, je crois, quelque part, j'ai eu plusieurs Nobles. D'ailleurs, ça, je m'en referai plusieurs des nobles. J'ai aussi celle-ci, la blue et la diligente. Alors, celle-ci, je les ai eues comme ça par pur hasard. Quand elle tombait dedans, je fais bon, bah, on va pas s'en plaindre. J'ai aussi celle-ci, là, c'est dans une de ma dernière quête, ça où je les avais eues en récompense. Donc, ça, c'était pour les abeilles, mais aujourd'hui, on va pas voir les abeilles, on va faire autre chose. On va aller sur la magie parce que j'avais pas mal avancé dessus. D'ailleurs, pour la magie, on va aller hop, tac, tac, tac. Alors, il faudrait que je regarde, voilà, je mettais mon rituel en face pour bien le refaire. Donc, j'avais commencé à faire plusieurs choses. La première, je l'ai réussi juste avant hors caméra parce que je l'avais fait ça hors caméra, par contre ça n'avait pas marché. C'est ici, la Magic Blood Orb, je l'ai eu. C'est simple, j'ai fait un système ici avec les mobs qui arrivent directement là-dedans. Donc pour les tuer niveau son, ils rapportent quand même beaucoup plus. Là, je vais enlever un peu, je t'active un peu leur son. Tac tac tac, son, je vais mettre ici. Hop, voilà. Tac, voilà. Donc eux, ils arrivaient directement. Enfin, les zombies, enfin, le sang arrivait directement plus vite. On avait bien pas 250 comme ici, mais ils font bien ces 500 voire 600 carrément LP. J'avais créé mes Ritual Stone que j'avais mis là-bas. Donc ça justement, on va aller les peindre maintenant. Pour les peindre, c'est assez simple, hein, c'est ça. Ça se fait avec ces éléments-là. La recette, elle est toute bête. Voilà, ici ça c'est un Magma Cream. Pour celui-ci, voilà, une arme de gaz. Ça coûte 1000 LP, donc c'est pas trop cher. J'avais détesté, d'ailleurs on le voit ici, avec l'inscription verte. Alors, pour les éléments, tac, 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 que je vérifie bien. Alors... Il me faudra un élément ici, ça va être celui-ci en premier, voilà, celui-ci qui va servir à faire les coins, ok, les coins en bas, donc c'est bien celle-ci, voilà, celle-ci, celle-ci et celle-ci, voilà, donc là on a nos quatre coins. Ensuite il nous faudra la rouge qui va servir à faire toujours en bas ce coin-là ici, celui-là et celui-là. Ensuite il nous faudra, c'est la violette un peu comme si celle-ci, donc c'est la water. Elles se mettent ici au-dessus du rouge, en haut, voilà. Tac, c'est bien celui-là, voilà, c'est bien ces éléments-là. Hop, on a nos 4. Et la dernière, c'est la verte ici, qui se fait ici les autres en hauteur. Hop, tac, et une petite dernière, hop. Donc ça, c'est cool, on garde nos éléments comme ça. Alors, par contre, pour le rituel, je n'ai encore jamais fait, donc ça, c'est vraiment un test. L'avantage, c'est qu'on a ici ce que je voulais. Ça, je vais les mettre ici. Tomcraft, hein, je vais tester un petit truc sur Tomcraft avant, ou je retesterai après. On va marquer rituel avant. Hop. Voilà, donc là il nous faudra celle-ci qui se fabrique seulement avec la Magic Blue Arm, c'est ce qui me pose des gros problèmes. Donc c'est ça, ok. Et Nopsy, ok. Parce que je les ai ici. Si j'en ai 4, ok.
Je la prends. On va même profiter pour dormir un petit coup. Donc ouais, je cherche un petit peu. Il y a eu pas mal de changements aussi sur, sur d'autres éléments. Hein. Par exemple ici, on voit mes cultures, je les ai fait un peu changer. Alors, j'ai enlevé tout le blé parce qu'il ne me servait plus à rien. Je fais du coton parce que ça me rapporte des fils. Plutôt qu'à être sûr, tu veux des araignées, ce sera plus facile. Hop, alors ça ici, je vais les récolter. Je suis en train aussi de faire un petit truc que je vous montrerai juste après. Hop, non, j'ai tout eu. Et là, j'ai mis des pommes de terre, mais bon, je les récolte pas vraiment, les pommes de terre, elles me servent pas vraiment à grand chose pour l'instant. Ça ici, et mes 8. Ah, bien ça. Tac, voilà. Donc ici, l'obsidienne. On en a ici, normalement, je me trompe pas, dans ce coffre-là. Voilà, mes 4 obsidies. Impeccable. On a toujours ici notre. Notre turbine qui tourne toujours. Alors, je préfère qu'elle tourne plus vite, c'est vrai qu'elle est toujours limitée. Mais ça a bientôt changé parce que j'attends encore un petit peu. Là, j'ai fini avec mes 22. J'ai rechargé plusieurs fois d'ailleurs le réacteur. D'ailleurs, on peut voir ça ici, hein, qui a pas mal de choses. Même si j'ai augmenté quelques petites choses. Voilà. Ici, j'ai changé, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai mis des focus. J'en ai mis que 4. Je pense que genre, 4 c'est bien. Je pourrais en mettre 6. Hein, j'ai les ressources pour. Sur les focus à créer, c'est pas très compliqué. Hein. On voit ici, rien de plus bête. Donc voilà, donc là je vais aller dormir d'abord. Ensuite on va fabriquer notre rituel et on va continuer là-dessus parce qu'il y a une petite chose aussi à faire avec. Alors d'abord dormir. Voilà, petit coup de sommeil. Hop, ça fait du bien. Ici on a nos 4 rituels. Hop, tac. Et voilà. La master, bah génial ça. Ça c'est cool. Alors. Ma soeur, justement, je voudrais la contrôler avec Tomcraft. Voir ce que ça va nous donner. Parce qu'il y a avec Tomcraft, j'arrive pas du tout à avancer dessus pour l'instant. Et c'est assez embêtant. Hop. On voit quand même pas mal de mobs. Les mobs, elles fonctionnent toujours bien. Donc, c'est plutôt cool. Hop. On va l'enlever ici. Voilà, ça ici. Alors, avec Tomcraft, ça donne quoi? Ah, ouh. Ça donne massivement, ça. C'est cool. Ah, celle-là, ok, ça, c'est les restes des rituels. Même si elles sont pas. Ça marche. Bon, ça fait plaisir. Je vais aller ranger mes éléments là. Et il nous faudra fabriquer un nouveau tout petit truc. Alors. J'ai regardé un petit peu. En fait, pour les rituels, il faut avoir un. Ah, je crois qu'il est là. C'est celui-là. Voilà. Un Wag Activate Crystal. 10 000 LP, ça on les aura. Pas de soucis. Lava Crystal, ok. Ça prend un petit peu, comme un petit peu de recette quand même. Donc, on a les Lava Bucket ici. Ok. Donc, moi, il me faut l'Electrum ici. Ça brille ici avec de la. Alors, ça j'en ai. Ça c'est ça, ok. Ça se fabrique soit comme ça, ok. Soit avec de la redstone plus ici des trucs. Ok. Il nous en faut combien exactement? Parce que là, il nous en faut 2 à chaque fois un lingot. Ça se fait comme ça, ok. Donc il nous en faut 4. Il nous en faudra 4. Donc, heureusement que j'ai l'électrum déjà que j'avais déjà fait auparavant. Ça c'est cool, je crois que j'en ai même ici. Voilà, 4 d'électrum. On va chercher un peu de redstone. On va le pulvériser hein, quand même avant. Non. Pas de pulvériser. Pas d'agilité. C'est dans le pulvériseur. Ah bah voilà. C'est un petit bug, ça arrive de temps en temps. On a notre pulvérisé, il nous faudra aussi de la redstone. Je sais pas en prendre trop non plus. Je crois qu'on en a quand même pas mal. Mais elle me servira aussi pour d'autres choses, la redstone. Je sais pas si je l'avais déjà montré, mais j'avais jamais rejeté des disques ici. Maintenant on avait 3 disques en plus, pour l'instant qu'ils ne servent pas encore, mais on a 3 disques en plus après un disque de fluide qui me servira ici après pour mon réacteur. Je mettrai ici plutôt l'usine à eau parce que ça fait un peu moche là-bas. Pas mal de usine à eau ici et je le ferai transporter le fluide directement là-bas. Et ici d'ailleurs, justement, ce que je pouvais vous montrer, c'est que je suis en train de créer une table d'enchant parce que l'armure en stèle elle est bien, mais je pense que l'armure en diamant est mieux. Je sais pas trop encore donc je vais essayer d'enchanter une armure en diamant entière. Puis on verra bien à ce moment-là ce que ça nous donnera. Donc pour continuer sur notre petit sigil ici. On va mettre alors. Non, c'est bon, ils sont sortis. Donc, on voit ici, j'ai pas mal de choses, surtout du sulfure et un peu de thym. Donc, là, ça nous servira à faire pour ici à me faire ici, voilà, du Yellowium Dust. Donc, ça nous servira pour plus tard. Ça, je vais mettre ici. Ok, et donc là, ici, je sais pas combien il faut mettre à chaque fois. Je sais pas comment ça en crée. Si j'en mets 2, ok, j'en ai mis 2. Ok, avec 2, ça nous en fait 1, donc il nous en faudra 6. Hop, donc on pourra ranger le reste, c'est cool. On aura déjà nos Yalom Dust. Hop, là, ça on les a déjà filés, Yalom Dust, voilà, ici. Voilà, j'en ai 2. Et nos Yalom Dust, nos Pyrotum Dust.
Je sais pas comment ça se prononce. Ok, j'ai mes 4 ici. On va les mettre ici. Hop, hop. Voilà, ça va travailler tout doucement, ça. Ensuite, hop. Rituel toujours. On a ici donc. Ok, on a besoin de ça. Donc, on a besoin d'un diamant, 3 seaux de lave, un wake blood hard et 2 vitres. Ok. Donc, les vitres, j'en ai plus ici. Je vais les prendre là-bas. Je vais fabriquer aussi 3 seaux de lave parce que je pense qu'ils vont disparaître, mais je suis pas sûr. 3 seaux de lave ici, un diamant, 2 vitres. Jusque-là, ça va encore. Hein, c'est pas non plus. Non, pas mes vitres ici, je vais mettre mes seaux. Alors. Je sais pas si c'est nos seaux de lave là, mais ceux-là sont passés là. De toute façon, niveau lave, pour l'instant, je la laisse encore pour l'instant, c'est avec l'énergie, je la garde pour l'instant plus pour le laser drill. Alors, une fois qu'on a ça. Bah tiens. Ah oui, non, ça part directement dans le coffre, je suis bête. On a fabriqué 4. Ah, ça en fabrique 2 à chaque fois. Bon, bah, on en aura 2 d'avance, je pense. Ça, c'est cool. 2 d'avance, on va chercher le wake qui est là-bas. Alors, mon wick il est ici. Hop, alors. La fabrication. Tac, comme on l'a vu juste avant. Le lava sigil, ok. Et on récupère ça, c'est que c'est cool. On récupère un peu tout. Donc, ça, je vais laisser mes 3 seaux de la vie, si on se tend jamais. Ici, normalement, j'ai 12 000 LP, 12 700. Parce qu'au début, je voulais peut-être recommencer à faire le méga blood hard. Mais finalement, je me suis un peu ravisé. Parce que déjà, quand j'ai réussi, j'avais vraiment attendu vraiment longtemps qu'il y ait beaucoup de mobs ici pour tous les tuer. Bon, quoique là, il y en aurait quand même assez. Mais bon, je préfère, je l'ai fait. S'il faudrait, je le refais. Mais bon, c'est pas l'essentiel, on va dire. Donc voilà, pendant ce rituel, c'est comme ça. Je consomme 5 000 LP. Bon, il me faudra voilà, une épée en diamant. Ah bah voilà, on l'a ici. Par contre, je sais pas comment mettre les LP directement. Ça, je sais pas du tout comment ça se marche. Ok, donc il faudra par contre une épée en diamant. Assez important. Oh, pas tomber dans l'eau. Alors, est-ce que je l'avais déjà préparé l'épée en diamant ou pas encore? Non, pas encore. On va prendre un petit peu de bois, c'est pas grave. Hop. Pas plus simple que fabriquer une épée en diamant. Hein, t'as quand même moins. Dernière réussite en parlant de ça, on parle de Tinker. C'est vrai que Tinker, je l'utilise plus beaucoup en ce moment. Vu que je me suis créé un petit Resin Furnace, ça va plus vite. Mais quand même, je reste quand même à fabriquer du Manulim. Je sais pas du tout comment il se prononce. Justement, qui m'a permis de fabriquer le Matoc ici, que j'avais pas encore fait. Pas utile. Une pioche, hein, toujours dedans. Et ici, la méga épée, mais ça l'épée, on l'avait déjà vu. Le Matoc, je sais pas si vous l'avez déjà montré. Il est pas mal parce il sert un peu de houe, de pelle et de hache. Il sert un peu pour tout. Plus pratique plutôt que d'avoir 52 items sur soi, on en a besoin que de ça. Donc par contre pour là ici je sais pas du tout comment ça fonctionne le rituel. Alors je vais essayer de lire un petit coup juste avant. Ils disent qu'il faut l'activer et qu'il va consommer des LP. 5 000 LP sachant que j'en ai que 2 000 moi. Je sais pas où il va aller chercher ces LP. C'est quoi ça, Store? Oh là il fait sens. Ok. Ah bah là je suis lié, là je suis pas lié. Celui-là il est lié. Comment on fait pour le lier? Bon, comment on fait pour savoir ce qu'il a sur lui? Hop, je vais devoir faire ça. Je sais pas si c'est le sigil qu'on peut voir. Current, ok c'est ça, c'est ça. 8 000 LP, ok. J'en ai besoin que de 5 000 donc ça c'est cool. Ça va me permettre de l'avoir. Donc je vais le garder sur moi. Ça c'est mon sigil. Je vais quand même peut-être attendre peut-être un peu plus gris, je sais pas trop. Donc là, faudra l'activer. Alors, attends, je vais lire un petit peu les rituels. Voilà, il faut qu'il soit activé, il va consommer les LP pour le rituel. Là, hop. Et je sens qu'il veut dire pour plus d'informations sur le sujet, consulter section armes, armure, outils. Alors, je vais regarder plus loin parce qu'il y a une section qui n'est pas précisée et qui est dans l'article normalement. Ah non, c'est système avancé, non. Toujours pas là.
Ah voilà, outil arme armure. Alors on va aller, je vais les lire vite fait. Ça laisse un peu de mettre de pause. Je pense que. Je vais mettre plutôt une petite ellipse le temps que je lis tout ça, que je me recharge en vie un petit peu. Et je vous retrouve juste après. Je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve donc un petit peu plus tard. J'ai eu le temps de lire un peu plus d'articles dessus. C'est vrai que je m'étais pas assez renseigné pour le rituel. Alors, si j'ai bien compris, normalement. Alors, faut prendre la diamante ici. On en a 8000, donc normalement il n'y aura pas de soucis là-dessus. Je m'écarte un coup. Je sais pas si. Alors, ça me fait un peu peur parce que. Je sais pas encore. Tac, ok, donc non. Ça change rien ici. Ok. Donc d'abord, faut l'activer, ok. Donc, on a le Nonetwork activé de cristal ici. J'ai 8000 LP, donc normalement, je peux l'activer une fois. Je sais pas si ça marchait. Voilà, là elle a été activée une fois. C'est vrai que j'ai désactivé les particules pour avoir moins de bugs. Normalement, une fois qu'elle a été désactivée une fois, vous n'avez plus qu'à poser l'épée dessus. On y va. Alors. Alors, t'as activé pourtant. Enfin, c'est bien une Diamond Sword. Alors, tu vas marcher? S'il te plaît. Bon, je sais pas s'il faut la peut-être acheter. Voilà, c'est ça. Aïe, 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 ça va. C'est pas moi, je vous assure, j'ai pas voulu faire ça. Heureusement que j'ai créé une structure en fer. En pierre. Oh, ah ouais, ça rigole pas ici. Et, oh yeah, je l'ai. On l'a enfin. Ok. Ça, c'est cool. Donc là, elle est désactivée normalement. Si je me trompe pas, c'est ça. Alors. On va manger un coup quand même pour se régénérer un peu. Ok, donc là, le rituel par contre, donc si j'en voudrais une deuxième, faudrait que je le réactive. Mais pour l'instant, on a déjà notre bonne sword. Notre. Voilà, notre Moon Sword. Moonblade plutôt. Et si je me trompe pas, donc c'est un clic droit. S'active, c'est ça. Donc faut l'activer comment? Ok, alors ça c'est autre chose. Je sais pas du tout comment l'active. Pourtant j'ai encore assez de. On a encore assez. Alors, je vais retourner lire encore un peu par rapport à la bonne soirée parce que je me suis retenu sur le rituel, j'ai vu comment on faisait, mais je sais pas comment on l'active. Je vais regarder encore un petit peu et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors, nous revoilà. J'ai un peu vu comment on faisait. Alors, normalement, si je me trompe pas, on s'accroupit. Enfin, un clic droit, et voilà. Là, l'activer. On va tester un peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, normalement, elle devrait être monstrueuse. Elle fait 12 coeurs de dégâts. Alors, je veux dire. Et vu tous les mobs que j'ai à tuer là-dessus, on va dire. Ok, avant, bon, faut la désactiver un moment. Ok, ça marche. J'ai un peu compris l'autre chose. Ok. Est-ce qu'on a une blue charm? Même pas? C'est une arnaque ou on fait comment? Ok, donc par contre, ouais, elle pompe, mais énormément. Je vais la désactiver, ok. Je suppose que j'ai plus aucun LP ici, c'est il en a 6. Ça marche, ok, donc j'ai vu un peu comment ça marche. Là-dessus, ça fait mal. Par contre, je suis désolé, j'ai pas de blue charm. Enfin, désolé, non, je suis un peu deck plutôt. Alors, on a réussi, je suis content, j'ai ma bonne soirée. Maintenant, faut savoir comment faire pour avoir plus d'LP que ça. Enfin, pour dire pour qu'elle me pompe mon LP, parce qu'elle pompe super vite, hein, on l'a vu. Tac, 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 je vais essayer de. Je vais faire un petit truc ici, voilà, on va se garder ça ici. Ça revient toujours. On va essayer de faire un petit truc, on va essayer de bloquer les mobs qui sont ici. Ah, ça va bloquer que des archers normalement. Si je fais ça, je trompe pas. Je vais faire ça ici. Allez hop, dégage. Dégage. Oust. Ok, bah juste ici. Ah si, je peux le mettre là. Ah voilà, tape-moi si tu es content. Voilà, comme ça les mobs vont tomber, ils vont être bloqués. Ah. M'énerve aussi. Voilà, ils sont bloqués. Nous on va essayer de recourir vite fait pour pas se faire trop toucher. Bon voilà, bon, les creepers de toute façon ça va exploser, c'était sûr. La bonne sword, j'ai gardé ici, je l'ai gardé ici. Mon arme pour l'instant, j'ai moins chargé un petit peu. Hop. Ouf, pas
pas que je fasse trop non plus. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais, entre guillemets, jouer un petit peu, me tuer, me recharger, tout ça. Pour avoir un peu tout. De toute façon, je vais rester enfermé ici pour l'instant. En attendant, je vais me faire encore une petite ellipse, ce sera la dernière. On se retrouve normalement pour la fin de vidéo. Je vais tester ma bounceur d'avant quand même, savoir si elle marche, parce que j'aimerais bien avoir une outil qui marche. Il serait temps que je l'ai. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de l'épisode. À tout à l'heure. Et nous revoici donc pour normalement la fin de l'épisode, je l'espère, parce que là j'aimerais bien qu'ils finissent. Oh, une petite baston à l'intérieur là. Je suis passé, ils ont cimetière avec quelques flèches, hein. J'ai pris deux. J'ai eu un peu de chance. Donc là j'ai économisé pas mal de LP, on va le voir ici directement. J'en ai mis 10 000. Ah bah ça règle un peu le problème. Pourquoi ils se battent tous là? C'est bon, ils ont pas fini encore? Non, ils ont pas fini. Voilà. Plus moi, plus de baston, c'est moi, ils ont arrêté de se battre. Donc on va tenter un petit peu d'avoir une WEC. C'est vrai que j'aimerais bien en avoir. Après il m'en faut qu'une, normalement une et après ça ira. On va tenter, alors, tac, on l'active. On tape une fois, on tape deux fois, aïe ça fait mal. On tape deux fois, hop, on tape ici. Et là, hop, on la désactive. Est-ce qu'on a une autre WEC? Non, mais est-ce qu'on a eu. Est-ce que c'est pas pareil là-bas par pur hasard? D'ailleurs, toi, hop, on la désactive. C'est ici. Je vais essayer de bloquer un peu l'entrée, comme je le fais assez régulièrement. Aïe, ça fait mal. Merci. Ça fait mal, on sent même pas, à vrai dire. Tac, on va essayer de casser un petit peu ça ici. On va aller là-bas récupérer tout ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a une WEC? Je l'espère. Non, toujours pas de WEC. Alors, je sais que je suis bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi il n'y a pas de WEC? Là, je ne saurais pas dire. C'est vrai que c'est assez embêtant. On va remettre ça là ici. Hop, on va prendre un peu tout ce qu'il y a eu ici. Dans le disque, on va le reprendre. Ça, la glowstone, on va la reprendre. Celle-ci, on va te reprendre. Je vais pas me mettre ici. Tac. Ça. Hop, voilà. Bon, bah, ils se battront là-bas s'ils veulent. Ils ont toute la vie pour se battre. Voilà. On va la retenter. Mais alors, je sais. C'est que sur le même hostile, normalement. Je vais tenter sur une vache. Enfin, j'en ai là-bas quelques-unes. Je vais tenter là-dessus. Il y a même un mouton. Alors c'est bizarre, les enclos, ça bug un peu, on dirait que les meubles se téléportent dedans. Je vais tenter sur une vache, hop, et... Et non, toujours pas de wake. Ça commence à m'embêter légèrement. Est-ce que niveau... Faudrait que je vérifie ça aussi. Ce niveau-là ici, il faut le vérifier. Ouais, bon ça va, là, pour l'instant, on a encore assez. Alors ici, je sais pas ce qu'ils font, ils diraient qu'ils se battent, je sais pas trop ce qu'ils font. On va la retenter ici. On va la réactiver, on va tuer des mobs. Hein. Toujours en surveillant le niveau ici. 8 000, c'est bon, on a encore assez. On peut en tuer quelques-uns. Allez, hop. Alors j'espère depuis tout à l'heure qu'il y a un wake qui va arriver, mais je pense que ça ne vient pas. Allez! Là, je vais tout tuer, je vais redésactiver vite fait. Je vais combien d'âge, je suis combien, je suis à 6 000, ok, donc on a encore assez. Alors, ça, on va tout jeter ça là-dedans, on n'a pas vraiment besoin. Celle-ci, celle-ci, et même la Glowstone, je la mets là-dedans. Toujours pas de WEC, ça c'est bizarre. Même le disque, je me tente, tiens. C'est très très bizarre, et ce bruit m'énerve, je m'écarte un peu. Ça me pose vraiment problème parce que normalement c'est vrai qu'on aurait déjà dû avoir un wake. Ou alors faut pas que le mob meure tout de suite peut-être. Je pense que c'est ça, faut attendre que le mob se prenne un coup. En l'occurrence on va attendre la nuit. Ok, bon, on va attendre la nuit. Je vais faire ça en attendant. Je vous retrouve juste après, désolé je fais plein d'ellipses mais c'est parce que je préfère... faire l'épisode un peu plus court, donc je vais faire une petite ellipse tant que la nuit arrive, que les mobs là-bas se chargent sur ma petite plateforme et puis on ira en tuer quelques-uns. Je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve donc là, si ça ne marche pas, bah tant pis, hein, c'est pour la fin de l'épisode. Devant les mobs, alors je respirais qu'il y a un Enderman, mais pour l'instant il n'y en a pas. Peut-être. Oui, il y a l'air d'en avoir un là-bas, ouais, voilà. Donc là on se retrouve devant notre petite armée de mobs ici. On va l'activer notre pouce soir, hop, ah bah voilà. Oh lui il en a peut-être dropé un.
fortes possibilités. Oui, on en a un, on en a une. On en la voit ici. On l'a vu juste là. On va la récupérer. On en a trois même. Oh, ça c'est beau. Non, 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 non. Tu arrêtes de me faire mal, toi. Aïe, arrête de me blesser. On l'a eu. J'en suis ultra heureux là. On les a. On les a. Oh là là. Quel. Ah, ça c'est un plaisir sans. Hop, c'était pas mal que je voulais voir moi. Hop. Ça j'en ai pas besoin. Ça non plus. Alors le reste j'en aurais besoin. Les Wake Blood Shard, on les a enfin. Donc là ça nous crée. Ah, faut... ah oui, faut la Master ici pour en avoir plus. Master elle se crée comment ici? 40 000. Utilité elles servent qu'à ça ici? Ah non, utilité voilà. Ah non, c'était la... Voilà, la recette, ouais. Bah non, la recette y'en a qu'une, ouais, donc c'était celle-là. Et ben on combattra du mob encore, hein. Je pense qu'on est parti pour. Je vais quand même regarder ce qui me reste ici. 6000 LP. Bon, je vais encore combattre encore un petit peu avec vous, hein. On va dire, on est parti pour là. J'en ai encore chargé un LP. Alors. Espérons qu'il n'y ait pas trop d'araignées. Hop, voilà. Crève, une bout de charde, nickel, merci. Voilà. Ah, toi, tu me la redonnes, tu me la ramasses en plus. Tellement gentil. Hop, voilà, vous êtes trop gentils les gens. Oh, plein de bouts de charme en plus. Hop, et voilà, tu crèves. Les araignées arrivent, on va s'écarter un petit coup. On a 6 pour l'instant déjà, c'était pas mal. Hop, on les désactive. Les araignées, pour l'instant, ça va être un peu chiant. Je vais attendre, je vais me recoucher vite fait. On va faire ça. Et on finira l'épisode là-dessus, sur la fin, en destruction des derniers mobs qui sont là-bas. Hop. En attendant, j'ai même ici, j'ai racheté sur mon laser drill, j'ai racheté deux petits focus. Qui peuvent qui sont plutôt utiles je pense. Ils nous serviront plutôt pas mal parce que c'est vrai que il me faudrait pas mal de tin. Alors oh les Enderman sont là. C'est le moment. Ok, Limarné m'a fait ta gueule, hop. Voilà. Je te remercie pour ça. Ah si le squelette bon lui par contre va mourir direct je suppose. Voilà, l'araignée, hop, on la tue ici. Voilà, tac, une bout de charde. Bon, creeper par contre, il va dégager. Il est obligé de les faire dégager, le creeper. Bah, voilà, ça c'était fait. C'était fait. Ça c'était fait, hop, ok. Un petit dernier, allez, une petite bout de charde pour la fin. Et, bah non, tant pis. Bon, on a déjà une 9 bout de charde, on va pouvoir créer un peu tout ce dont on avait besoin d'ailleurs ici. Utilité, voilà, c'était ça. Tac, 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 non, ça c'était dedans. Ok, voilà, donc là on la met ça, on en aura 32 large blocs. On en aura pas besoin de plus. Donc c'est bien, on en faudra qu'une seule. Et on pourra faire monter notre. Notre temple, j'ai déjà préparé d'ailleurs tout ça, on va le faire vite fait. Hein, ça va prendre quelques petites secondes. Tac. Donc faudrait de la stone, non, la stone j'en ai là-bas. J'en ai même là ici, je suppose. J'ai pas encore bien regardé. Je suis plutôt content là, cet épisode, on a bien réussi. Je suis un peu. Un peu triste de ne pas vous avoir montré auparavant. Hop, ça va prendre ça ici, 32. Hop, une stone. 32, ok. Ah oui, avec juste un stone. Ah ouais, ah ouais, bon alors là, ouais. Ça va. Je suis dingue de ne pas vous avoir montré ici pour la Magic Boon Orb. J'aurais bien aimé vous la montrer. Ça aurait été vraiment sympathique. Mais bon, tant pis, hein, on peut pas toujours tout avoir. Oups, par contre, j'ai pas de. Je vais prendre celui-là à chaque fois. Hop, on se met là. Hop. Ah, hop, non, j'étais presque. Voilà. De 1. On va faire ceci, hop, voilà. De 2. Bon, ça par contre, ça va être gentil, mais t'as eu de me piquer ma global. Hop. Encore, il est encore piqué. Après pour me les piquer je m'en fous, juste au dernier coup. Et voilà donc normalement on est passé sur un tier 4. Si je me trompe pas. J'arrive pas à le voir, ouais faut que je prenne ici. Je récupère quand même ma cobble. Non, j'ai mis ma cobble. C'est chiant tous ces modes mobs, ça j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si, donc normalement on est puisqu'on est bien sur un tier 4. Espérons-le. Un tier 4, oui. Oui. Ça fait plaisir à voir. Donc ça c'était cool, on a notre tier 4, on a réussi bien la magie là-dessus. Je sais pas si le prochain épisode, non je pense pas qu'on continue non plus la magie.
De toute façon, là, le temps, faudra que je fasse encore avancer. Mais dans nos blue charts, on va pouvoir évoluer. D'ailleurs, les orbes, dans la orbe, hop, c'est celle-ci maintenant qu'il le faudra. Elle se crée avec 40 000. Et je crois que le stock, c'est 40 000, je suis pas sûr. Je testerai ça. Je t'assurerai ça pour la prochaine fois. La prochaine fois, on ira sûrement voir autre chose. Peut-être améliorer notre réacteur, qui maintenant va se finir là. Donc je crois que la prochaine fois, on essaiera d'améliorer les réacteurs. D'ailleurs, l'épisode, je tournerai assez vite. Parce que je vais pas laisser le réacteur comme ça sans. Sans qu'il tourne, on a besoin. J'ai pas envie de dépenser trop de temps non plus. On verra bien. Mais je pense que ouais, pour le prochain épisode, on ira sur le réacteur. Ça peut être plutôt sympa. Ben voilà, bah, je suis plutôt content de mon épisode. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!